Le duc de Sussex est maître méchant, a déclaré sa biographe Angela Levin car il veut attirer l'attention sur lui et elle a utilisé l'exemple du moment où il jonglait avec des balles dans une vidéo réalisée par Meghan Markle à l'occasion de son 40e anniversaire. Le prince Harry est maître méchant et s'exhibait à cause d'une rivalité fraternelle avec William et il veut être plus important que lui, a déclaré son biographe. Le duc de Sussex fait régulièrement la une des journaux depuis son arrivée aux États-Unis pour ses attaques contre la famille royale et le mode de vie. Les événements caritatifs des Sussex ont également été interrogés par certains critiques pour la façon dont ils ont essayé de se maintenir sous les projecteurs. La biographe de Harry, Angela Levin, affirme que son apparition en jonglant avec des balles devant une fenêtre lors d'une vidéo que Meghan Markle a réalisée pour son 40e anniversaire a montré comment il essayait d'attirer l'attention. Meghan a réalisé la vidéo pour lancer une initiative visant à aider les femmes à reprendre le travail après Covid en faisant en sorte que des célébrités et des personnes à succès les encadrent pendant 40 minutes. Levin a expliqué à Talk Radio comment elle avait perdu le respect pour Harry depuis qu'elle avait écrit sa biographie. Elle a dit, « Oui, c'est parti et j'y ai pensé. Pourquoi je me sens si fort et une raison qui m'est venue est que quand il était à Eton, il détestait être là et il a décidé qu'il allait être avec les mauvais garçons et je pense que Harry a cette séquence, beaucoup d'enters nous l'ont fait, mais nous l'avons mis de côté pour être mauvais et se montrer. Je pense qu'il cherche également à être plus important que William et il a donc maintenant la capacité de faire et de dire des choses qu'il ne pouvait probablement pas faire auparavant et il peut aimer être méchant comme s'il jouait avec des balles à l'extérieur, pendant le vidéo. » Lors de l'émission Talk Radio avec Julia Hartley Brewer, il a également été signalé que Harry était revenu à un match de polo caritatif dans le Colorado sur le jet privé d'un ami après avoir « sermonné » tout le monde sur le changement climatique et la nécessité de moins voler.